En Jésus. Restez tranquille, tenez-vous tranquille. Soyez tranquille, vous vous agitez pourquoi? Alors, lorsque vous nous prenez Jésus pour donner, pour dire que voilà, J signifie Jéhovah, je ne sais pas Yahvé, et E signifie je ne sais pas quoi. bon, vous S signifie... Vous allez prendre note. Bon, non, c'est de n'importe quoi. Unique, sauveur, je ne sais pas quoi. C'est du bricolage absolu. C'est du bricolage absolu. Vous l'avez où? C'est comme lorsque... Bon, vous avez le genre de prédicateurs qui presque disent, bon, primus, ça signifie prive-moi du Seigneur, je ne sais pas quoi. C'est ce genre de choses. Donc vous fabriquez des choses qui n'ont rien à voir avec de délirer. Contestez-moi sur la transcription des lettres, la concordance entre les lettres. Est-ce que le yod n'est pas le J, M. Mbouta? Le yod n'est pas le J. Mais contestez-moi. Donnez-moi des textes. Fournissez-moi des textes, monsieur Mbota. Il ne s'agit pas ici de venir distraire les gens. Il y a des gens qui nous suivent. Okay. Moi, j'ai donné ici que le yod est la dixième lettre de l'alphabet. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. De parole. Le yod est la dixième lettre de l'alphabet hébraïque. Et le J est la dixième lettre de l'alphabet français. Dans la concordance des lettres, on a le yod. On a le yod ici que je vous ai présenté. Le J. Bon, maintenant, moi, ma question. Je vous retourne, je repose ma question. Quand vous dites Yeshua, Jésus, c'est la même prononciation, répondez-moi. Oui ou non? Est-ce que dans Yeshua, Jésus, c'est la même prononciation? Là, il s'agit de la transcription, monsieur. C'est la fin finalement. Donc le nom de Jésus est vainqueur. C'est la fin. Frère, on va donner prêchez au nom de Jésus. Proclamez le nom de Jésus dans vos églises. Jésus-Christ est vainqueur. Monsieur l'évangéliste. Oh, sinon, vous ne prendrez plus pour les face-à-face. Donc, ne vous agitez pas, vous vous comprenez. Le monsieur l'évangéliste, vous pouvez passer là. Docteur Mbota, c'est la fin du face-à-face. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis la Centrafrique. On salue depuis la Chine le docteur, le révérend docteur Les Kakapeya, Gustave Kakapeya. Il reste deux minutes. Vous avez la parole, hein, vous avez le micro là. Dites-vous ce que vous voulez. Oui, mais ce que j'avais à dire Il n'y a pas eu tant de parole, vous parlez au même moment. Ton... Ah bon, ce que j'avais à dire au fini, c'était quoi? D'abord, on pouvait excuser. Il faut d'abord reconnaître ton échec. On pouvait excuser d'abord. Reconnais d'abord ton échec. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Reconnais d'abord, il faut confesser. On pouvait d'abord. C'est l'occasion de confesser devant on les gens. On pouvait d'abord. Que tu as baigné. Tenez-vous que tu as baigné vous dans avez le mensonge. Le temps de parole ici, non? Tu as baigné dans le mensonge. Vous avez le temps de parole. Présentez les excuses. Restez tranquille. Présentez tranquille. Je vous exige de présenter les excuses au peuple. Les excuses pourquoi? Mais parce que vous avez menti. Vous avez menti. Ah oui? Voilà, vous êtes tombé. C'est triste. Faux docteur. C'est triste. Faux docteur. Bon, écoutez. Voilà. Donc, ce que vous devez retenir en gros, en conclusion, c'est quoi? Il n'y a pas d'excuse aujourd'hui qu'on puisse apprendre le nom de Jésus pour dire que voilà, le nom Yeshua n'est pas traduisible dans notre langue. Parce que l'alphabet est l'église est édifiée sur le fondement des prophètes et des apôtres. Les apôtres ont transcrit. Les apôtres ont transcrit. Nous, ce que vous dites nous là, tenons notre foi des apôtres. Voilà. Jésus n'a jamais présenté des excuses. Présentez vos excuses. Les hommes, de Dieu se battent. Les journalistes se battent. Les hommes de Dieu se battent. Homme de Dieu, s'il vous plaît. Homme de Dieu, s'il vous plaît. Voilà. Je vous laisse mettre un peu de l'ordre là. Je suis un véritable évangéliste. Voilà pourquoi maintenant vous êtes à terre là. Un mot par rapport à tout ce que se dit. Pour départager, si vous pouvez départager. Bien, merci. Nous avons suivi le docteur Mbota. C'est pour ma première fois que je l'assiste. Et j'ai également écouté l'évangéliste. Mais je crois que il faudrait comprendre que lorsque nous essayons de revenir sur la langue hébraïque, les traducteurs ont eu beaucoup de difficultés pour traduire l'hébreu en grec, en français. Donc, Yeshua, je crois que on ne peut pas traduire un nom. Le nom, on ne peut pas le traduire facilement. Par exemple, si je m'appelle, par exemple, Moussa Kanda, comment allez-vous traduire ça en français? Forcément, quand vous modifiez déjà la transcription des lettres, vous faussez également sa connotation spirituelle. Ça doit rester Yeshua. Donc je crois que le docteur Mbota a vraiment raison. Merci beaucoup, maître Anaël. Bon, maintenant, moi, ma question, je... Restez tranquille, tenez-vous tranquille. Soyez tranquille, vous vous agitez pourquoi?